Les perturbateurs endocriniens sont un véritable scandale sanitaire. On les trouve dans les plastiques, dans les produits chimiques, dont les pesticides notamment. Actuellement, les femmes enceintes, les enfants sont les premières victimes de ces perturbateurs. Une proposition actuellement est faite par la Commission pour les définir. Cette définition est pleine de trous et elle permet par les dérogations aux entreprises chimiques de pouvoir passer à côté. Ça a été cautionné par les États, mais heureusement, demain, le Parlement européen vote. Je voterai contre. Moi, je vous incite aujourd'hui à interpeller tous les eurodéputés pour leur demander qu'est-ce qu'ils vont faire et les inciter à voter non. Donc, prenez votre machine, tweetez, interpellez les eurodéputés et si tout le monde est mobilisé, peut-être qu'on pourra voter contre cette définition laxiste.